en train d'y aller. Alors, Jésus-Christ lui dit cela. Il lui dit encore, c'est la femme, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Amen. Ça, mon amour, qui a la moitié de ses mains. Ça, pas le corps à Nyoné, ça l'ingé kouomba maj. Tu n'as rien pour puiser. Alléluia. Alléluia. Et en plus, le puits est profond. Kishimani qui lève Foussana. Ça, cette eau vive là. Utaitosha wapi. C'est pourquoi je vous ai dit que Jésus-Christ, il parle toujours en parabole. Amen. Amen. Et c'est une parole dont les païens ne pouvaient pas comprendre. Comme la femme était encore samaritaine, elle ne pouvait rien comprendre. Elle était encore dans l'obscurité. Elle était dans le ténèbre. Et Jésus-Christ était là comme la lumière. Elle ne pouvait pas comprendre que maintenant, c'est le changement de ma vie. Que Dieu te bénisse. Que l'Esprit de Dieu soit sur toi pour comprendre ça. Maintenant, la femme, bon, es-tu plus grand que notre père Jacob? Ah! Sasa mwanamu ki anarudia kumambo ya bankambo yake. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Nakonesha, baraka yako, aita tokia ku bankambo. Alléluia. Alléluia. Maisha yako kuendelea. Aina sima paka nkambo na kutemea mate. Ndoa yako. Aina sima paka nkambo ya kuya o tuchunge nsangaji ya kuwa kuchanje bongo. La Samaritaine était dans l'obscurité. Elle était dans le noir. Elle ne pouvait pas comprendre. Elle commençait maintenant à expliquer. Jésus, écoute, où non est biotebi? Où est-ce qu'on a mupita nkambo yetu? Mwenye ule alichimbula imai. Mwenye ule alikunwa imai wa kwanza. Na batoto yake bakakunwa. Na bivuko byake byote. C'est ce que dit la Bible. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Il y a dans certaines familles, banafanya kaifi. Oh, unaone funa sala mtoto. Chunga, muyombaya kwa takuya. Na ile sumele barika munaka na yonkambo yako. Banakuya nayo. Tu attendras que ta tante vienne avec tel. Ils vont venir du village. Il y a des choses que votre grand-père avait laissées. Il a dit qu'il fallait donner à tous les enfants, toutes les générations. La malédiction sur malédiction. Mais Jésus lui a dit cela. Amen. Amen. Kunguta kwanza ni unasa unanza kunguta kunguta. Siku elemen, njoku kunguta. Kama akukue mujana na juzi, kunguta ni kusekue elemen. Kunguta tu connais le Swahili. Peut-être que tu ne connais que le Linga. Ça veut dire kunguta, bouger maboko, ou sekue maboko na yowa. Linga la mine yowaka très bien pour na nyona. Mili kombia muka militaire pour na nyona. Kumbe Mungu arazo nitarisha nitakuwa soda wa Yesu Kristo. Aleluya! Mambo ya ajabu. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore faim, aura encore soif. Ule yote ule, atakunwa maji ya Yakobo. Atashikia tena amu ya kunwa maji. Alléluia. 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 Quiconque boira de cette eau aura encore soif. Unatumania mjama. Unatumania ndugu yako, c'est bien. Mais yu asema mambo moya moya itafanya nini? Itarudia. Tu auras encore soif. Alléluia. Alléluia. Mais Jésus-Christ, quand il disait cela, il était en train de préparer à Kumtosha Mwanamuke, Mwile Akili Abu Samaritain.
Mangaribi aleo utatokamo. Nasema utatokamo. Kama barifunga mankamba banaweka na minyororo banasema aba ni bakia kwetu. Je te dis aujourd'hui tu ne seras pas bakia kwetu, tu seras bakia Yesu Kristo. Utatokamo. Mujina la yule aliyokufa kumsalaba. Il a vaincu la mort à la croix. Jusqu'à ce que même les soldats qui étaient devant lui, Pika Magoti, Bekonasema, celui-ci était le Fils de Dieu. Le jour de sa mort. Alléluia! Alléluia! Quiconque boira de cette eau, ou la tapienne, à ta kunwa maji, aura encore soif. Et vous allez voir que tous ceux qui ont bu cette eau, bien sûr, ils sont restés, ils n'ont pas évolué, il y a ceux qui sont morts et autres, tout ça. La femme est restée dans les coutumes. Ma coutume. Coutume. Dans nos familles. Tu es chrétien à l'église. Quand tu rentres à la maison, il y a des cérémonies coutumières. Tu participes. Je te dis, ça ne va pas donner la solution au problème que tu as. Minajua bengine banakala kaba nebaoa baneba chanjak baneba chanja juu ya kuzala sema mtoto wa kwanza umzale bien. Les coutumes, cette femme était dans les coutumes. Non, tu n'es pas plus que notre père Jacob qui a puisé cette eau, qui a creusé ce puits. Jésus lui dit cela, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Ça, c'est Jésus qui répond. Oula ta kunwa maji. Yenye minta mupa. Hata sikia tena hamu. Kiwa itaku wako. La source intarissable. Chemchemu ya uzima. Yesu Kristo. Kama unampata Yesu, mambo inaishaka. Na ile mambo airudi yake tena. À moins que ouais mounye opoteze nini masila, à moins que tu perdes les armes. Si tu as les armes avec lui, tout ce que tu auras vu comme problème inkiisha inaishiriria. Leo ni kuonesha sema mambo ishe ishikarudie tena. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est pourquoi je vous ai dit, fura yako, yakusema leo mungu akutende bizuri, inapasa ukuna waza na kisha hapa. Après maintenant, que cette joie continue même dans l'au-delà. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira. Atakuya chem mutakwa chem chem. Alléluia. Chem chem ya maji itanza kuvuya wakati yote. Milele kwa milele. Milele kwa milele. Tu n'auras plus besoin encore de quelque chose. Si lui amène la solution, cette solution est solide. Moi, j'appelle Dieu, chez nous là, nous l'appelons, moi je l'appelle le Dieu du possible, le Dieu du possible. Je vais donner un exemple. Alléluia. Alléluia. Je vais donner un exemple. Nous, humains, c'est nous qui disons que l'impossible existe et Dieu, c'est un Dieu de l'impossible. Non, non, non. Non, 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 non. Comprenez très bien la philosophie que je vais vous donner. L'impossible, c'est pour l'homme. Amen. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. C'est-à-dire, ne dis jamais le Dieu de l'impossible, dis le Dieu du possible. Je te donne la formule. La formule est celle-ci. Nous avons des voitures, nous avons des ampoules, nous avons des maisons, nous avons tout ce que nous avons. Nous avions inventé, n'est-ce pas?
l'homme a inventé. Vous savez, là où il a puisé son intelligence. L'homme, il a inventé avec des formules. Nous sommes en mathématiques. AB plus AB, ça donne A carré, B, tout ça. Vous savez ça? Munichiki et Batumichi Yamung. Les AB, les formules, ça c'est en mathématiques. Vous allez en chimie, vous avez les H2O, tout ça. Vous allez en physique, on vous donne des formules, tout ça, pour créer quelque chose, pour inventer, n'est-ce pas ça? Et ça prend des formules et des formules. C'est pourquoi vous allez voir, à l'époque, on avait des téléphones, des gros téléphones ici, jusqu'à ce qu'ils soient en train de faire des tout petits téléphones. Ça a commencé là-bas. Et nous disions tous ensemble, ah, les blancs sont intelligents. Mais c'est avec des formules, ok? Mais toutes ces formules-là proviennent d'une seule formule de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Ils ont puisé dans ce que Dieu a créé. Dieu n'a pas inventé, Dieu crée. Et il crée par la parole. Voilà la seule formule qui existe dans le monde avec Dieu, c'est la parole. Il a créé tout ce que l'homme a trouvé aujourd'hui. C'est pourquoi je te dis, nous avons un Dieu du possible. J'étais à l'école primaire, là où on faisait des exercices. Vous faites 2 moins 3. On faisait comment? On disait, ça ne va pas ou impossible, n'est-ce pas? Mais nous arrivons à l'université, on dit aux humanités, 2 moins 3, ça donne combien moins? Vous voyez que nous étions en train d'étudier du mensonge en mensonge. Dieu a créé toutes choses, rien que par la parole. N'a connaissé Mangari Bialeo. La parole va créer ce qui te manque. La parole va créer ce qui te manque. La parole va créer ce qui te manque. La parole créera ce qui te manque. J'étais avec papa. Papa m'a dit, mon fils, regarde un peu ces gens ici. Le Covid est rentré, donc le vaccin n'a rien à faire. Angaria, il ne faut pas jouer avec Dieu. Mungu, ana okchezanai. Ana okchezanai. Yesu anakutana na ule mwanamke. Il lui dit, il est onangaika. Nikupatie maji. Que c'est toi que je te donnerai. Haita, donc, il t'avouya maji. Toutes tes générations vivront avec cette eau. La vie éternelle. La vie éternelle. Que Dieu te bénisse. Ça. En a quoi ambitieux. Amen. Elle est devenue ambitieuse. Elle commence à se dire, mais donne-moi cette eau-là. Alléluia. Alléluia. La femme répondit, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Elle n'avait pas encore compris. Bamupatie maji. Nisisikie tena hamu ya kunwa maji, nisikuye kufanya nini kushota tena. Mais Jésus-Christ ne parlait pas de venir puiser. Jésus-Christ ne parlait pas de ce puits-là. Jésus-Christ lui parlait de la vie éternelle. Je te dis ce soir, si tu dois puiser, tu dois recevoir la vie éternelle. Même les combats que tu dois mener, ne fais pas un combat qui te mène seulement à la vie sur terre, que ce combat-là te mène aussi au ciel. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand on parle de la vie éternelle, mon azar. Hein? Parce que la vie éternelle, il faut mourir, Dieu a connu ça. Ouais, ou quoi, pas, ou t'as pas qu'à m'élever. Hein? Mais écoutez, Jésus lui-même, le Fils de Dieu, on l'a tué. Alléluia. Mais au moins, moi, j'ai toujours dit que Jésus, il n'était pas mort, il s'est transformé. La transfiguration. Ah. Vous lisez la Bible, plus vous allez comprendre ce qu'était Jésus. Vous allez comprendre quelle est la mission de Dieu sur terre. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, donne-moi cette eau. Ni parce qu'elle s'était dit, kushota kila siku, hein? Ça fatigue. C'est ça l'idée de la femme. Ça fatigue.
pour que je ne vienne plus puiser. Elle ne savait pas encore c'est de quelle eau dont on parlait. Léo, tout a puisé. Amen. Tout a puisé. Tout a puisé, Léo. Ah ah. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous me piquez quand Zambé le Mungo Mikono? Alléluia! Alléluia! Maintenant, Jésus commence le travail pour que la femme comprenne. Il lui dit maintenant, va. Il lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. C'est vrai, c'est ça. Au cas où tu es Wanayako, Jésus connaissait la vie de cette femme. Alléluia. Jésus connaissait la vie de cette femme. Curieusement, la femme lui dit non, je n'ai point de mari. Ah, tu n'en as pas. Hein? Amen. Amen. Ah, tu n'as pas de mari. Jésus lui dit, tu as raison. Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Mais car tu as eu 5 maris. Alléluia. Jésus a attaqué. On a dit, hein? Jésus a attaqué. Tout a attaqué. Dieu, toi qui samaritaine moule, ou toi qui c'est dans le monde du ténèbre. La femme était encore païenne. Elle ne savait pas qu'il y avait une vie éternelle qui devrait venir par celui qu'on appelle Shiloh. Bon, à mon échec, je n'ai pas de mari. Ok, c'est parce que tu en avais 5. Et celui que tu as maintenant n'est même pas ton mari. La femme répondit, oui, tu dis vrai. Là, tu dis. Amen. Amen. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Ça, ça n'a pas de fumbula. Amen. Alléluia. Je vois que tu es prophète. On a fumbula ça. Il a dit ceci. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est là et à Jérusalem. Femme lui dit, Jésus, crois-moi. Jésus lui dit, bien sûr, crois-moi. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mon amour, qui est bas de quoi s'il y a Dieu. Amen. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. Wakati konakuya. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki. L'église missionnaire, Mungu akubariki. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ah, donc, il y a quelque chose que Jésus-Christ voulait faire dans cette femme. Il fallait que cette femme comprenne qui est-ce qu'il faut adorer. Reste avec ce Dieu qui a fait de miracles dans ta vie. Reste avec celui-là. Adore-le à tout moment. C'est pourquoi hier je te dis, ne t'accroche pas à ce qu'il t'a donné, mais accroche-toi à celui qui t'a donné. Et si tu t'accroches à celui qui donne, je te dis, c'est ainsi que tu auras cette eau qui jaillira dans ta vie. D'éternité en éternité. Les gens font des confusions. Dieu te bénit. Dieu change ta vie dans ta maison. Pourquoi? Ça y est, tu n'as pas logé. Tu n'as pas de terrain. Terrain basket. Pas comme nous, Mbayako. Football, tu n'as pas logé. Nous, Mbayako. Tennis ball. Nous, Mbayako. Dieu te dit qu'il fume pas transaut. Nous, Mbayako. Mais Dieu te fait une grâce. Anatosha, Dieu te bénit. Non. Ta foute, t'as pas qu'on la retouche. Accroche-toi à celui-là.
C'est ça notre problème. Accroche-toi à celui-là. C'est lui qui te donne les armes. Les foco la matana naye. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, la femme ayant compris cela. D'autres parties, là, vous allez lire. Mais j'aimerais arriver sur un point. Parce que quand j'ai parlé de manger, de boire, la femme, là, pensait que Jésus-Christ, certainement, devait chercher cette eau qu'elle était en train de puiser. Si je lis dans 28, la Bible me dit ceci. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens. Mon amour, qui est où les? Alors quoi que soit ta maille, papa. Mais en ayant ta maille, alors quoi que soit. En ayant ça, en attendant que ça, ça mouche. Il est allé dans, elle est allée dans la ville. Elle est allée dans la ville. Quelqu'un me comprend là-bas? Cette femme-là, elle a laissé. Il est cruche, elle est mbeketi yamai, aneyacha pale. Elle est allée dans la ville. Mais demandez-vous, qu'est-ce qu'elle est allée faire alors qu'elle est venue au chercher de l'eau? Mai nyewe aneyacha. Anenda mumuchi kufanya nini? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Cette femme est partie. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle va dire? Venez voir. Venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles pour moi. Mwana mke anatoka. Anasabu bila alikuwa kutafuta. Anasabu biote anebiacha. Il y a quelqu'un qui a parlé sur sa vie. Il y a quelqu'un qui lui a dévoilé la vérité. Il y a quelqu'un qui lui a donné une arme. Et cette arme, c'était les ailes parce qu'elle a abandonné ce qu'elle avait. Et il est allé parler de Jésus-Christ dans la ville. Et dans cette ville où Jésus-Christ n'était pas encore parti. Venez voir. Venez voir. Il y a un homme. D'abord là, il l'appelle encore un homme. Mais le prophète lui a dit, c'est Jésus. C'est pourquoi je vous ai dit que dans ce monde, partout où vous irez, il y a un seul grand prophète, c'est Jésus-Christ. Même si vous vous trouvez devant certains prophètes qui vous disent que moi je suis un grand prophète, dis-lui, mon frère, s'il te plaît, fais attention avec ce que tu dis. Hein? Faut pas profaner la parole. Moi je ne connais que Jésus-Christ qui soit le plus grand prophète. Si tu as le don de la prophétie, ce n'est qu'une grâce que Dieu t'a accordée. Mais il y a un seul prophète, c'est Jésus-Christ. Et en plus là, je vous fais un peu de temps. Ouais, moi, je suis en Samaria. On a eu un peu de temps. Non. Je suis en train de dire, si tu savais ce que je suis, tu m'aurais demandé de l'eau. Venez voir. Un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ? Ça, c'est ma homme. Maintenant, Naïsa Nanani. Lorsque tu dois changer de vie, lorsque tu quittes de la vie samaritaine, tu vas aller maintenant reconnaître qui est Christ. De la vie samaritaine, la femme ne connaissait pas Christ. Elle était liée aux traditions. Ce soir, ma tradition yote. Tu vas vivre la tradition de Jésus-Christ. Et ce qu'il a dit, c'est lui qui connaît ce que je suis. Lui-même viendra puiser de l'eau parce que je lui donnerai cette eau qui va jaillir dans sa vie toute l'éternité. C'est-à-dire même tes enfants, même tes petits enfants vivront sous cette grâce de l'eau de la vie éternelle. Vivront sous cette grâce. Je te dis, na pena mangaribi aleo mutu moya aweke mkono juu ya kama mitaishi munema ya Yesu Kristo, mitaishi munema ya Yesu Kristo, mitaishi mu tradition ya Yesu Kristo. Alléluia. Je sais, il y a des familles qui souffrent avec des problèmes de tradition. Je vous dis, ça c'est une réalité.
des traditions, tradition sur tradition. Ndugu yangu, nini unakonesha pale? Ubitoshe mkichwa, weka tu Yesu. Pale pa tradition, weka po Yesu. Barikupa condition, mu famille, c'est tu dois d'abord faire ceci. C'est maintenant, j'ai rencontré un homme, c'est Jésus-Christ, il a tout dit sur ma vie. J'ai rencontré un homme, c'est Jésus-Christ, il a tout dit sur ma vie. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui souffrent réellement, ils souffrent dans les familles. Donc tu es dans un mariage où tu es assise sur des traditions et traditions et traditions. Quelle souffrance. Quelle souffrance. Non. Nous disons non. Il y a un Jésus qui est venu tout changer. Nous disons non au nom de Jésus-Christ. Nous disons non au nom de Jésus-Christ. Venez voir ce que je veux ce soir. La femme, quand elle est partie, Jésus-Christ, dans tout ce qu'il lui a dit, la femme n'a pas hésité. Elle est vite partie. Parce que si nous parlons des ailes, les ailes, on parle des chaussures. Les ailes, c'est aller annoncer. Il faut avoir le courage. Il faut avoir... Il est manétam, soyez laissé ma bidi. Mon aïe bidi. Hein? Oui, bidi, bidi. Hein? C'est ça, les ailes. Papa, je crois que c'est ça. C'est ça, les ailes. Bidi. Bidi, c'est une arme qui doit être dans ta vie. Tu dois être cette personne qui doit être rapide à aller annoncer la bonne nouvelle. Mais quelle bonne nouvelle de ce que Dieu a fait dans ta vie. Bile mungu atakufanishia hapa. Uwe na bidi ya kubitangaza. Que c'est Dieu qui l'a fait. C'est Jésus qui m'a sorti de cette vie de misère. C'est Jésus qui m'a donné cette vie. Et cette eau qui jaillit dans ma vie. Cette eau qui jaillit encore. Pour me donner la vie éternelle. Nikone se mangaribi aleo. J'aimerais que tu reçoives la vie éternelle. Que tu reçoives la vie éternelle. Que tu reçoives cette eau. L'eau vive de Jésus-Christ. Il l'a dit à cette femme. Ce n'était pas seulement pour cette femme. C'est aussi pour toi. C'est aussi pour nous. C'était pour nous tous. Lorsque nous le connaissons, nous devons croire à tout ce qu'il a fait et qu'il le fera aujourd'hui. Même demain, il pourra encore le faire. Car il est un Dieu qui ne change pas. Il est un Dieu qui ne change pas. Il reste fidèle à sa parole. N'engage pas un doute, je te dis ce soir. Où j'ai engagé un doute. Mobile bien, tu vas le connaître. Je sais au travail, on t'a dit, on a un gage où mon frère. Wende paka nyumba kamoe onaye na nduku moe. Atakupakala bia kupakala. Bongo, bongo. Ushendem. Ushendem. Tu rencontres Jésus Christ. Nakonesi kama ta utaedamo. Munjia mulo. Takutane na Yesu. Ukutane na Yesu akurudishe. Akonesi uzima ni mie. Uzima na bilo natafuta. Uzima na matradition. La vie c'est Jésus. Ce n'est que 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 Jésus. Même l'héritage de nos grands-pères, de nos parents, ne vont rien nous faire. Quelqu'un a dit au Seigneur, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage. » Jésus lui a dit ceci, « Je n'ai pas été établi comme juge de l'héritage de vos pères. » C'est pour dire quoi? Dans les familles, il y a des problèmes d'héritage qui existent. Mais si tu t'accroches à Dieu, l'héritage n'a rien à faire avec ta vie. Et c'est Dieu-là qui te donnera ce qu'il te faut dans ta vie. Car dans ce que vous aurez à vous disputer, vous créez la mort. Dans les familles, c'est ça. Confier un héritage à Bazazi. Bantu bana wanaga, non? Minalanda. Bakui teka manteta. Bakui finga. Bakui laani. C'est ça le monde. C'est ça la vie samaritaine. Mais ce soir, nous ne sommes pas dans cette vie samaritaine. Nous serons maintenant des vrais adorateurs dont Dieu a appelé. Pour ce que Dieu fera dans ta vie, sois le vrai adorateur. Sois le vrai adorateur. Pour tout ce qu'il te fera, sois le vrai adorateur. Sois la personne qui va annoncer la bonne nouvelle. Sois la personne qui va les propager, les bienfaits, les prodiges que Dieu a fait dans ta vie. Ce soir, j'aimerais voir quelqu'un dont Dieu va faire quelque chose. J'aimerais voir quelqu'un dont Dieu va donner cette eau.
cette eau vive, l'eau vive qui va jaillir. Ni nani atashimama apike mikono ya kama kuna kitu Mungu anamupa. Reçois, 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 reçois la vie éternelle. Reçois l'eau vive afin que tu prononces la parole que tu as annoncée, que tu annonces à quelqu'un, que tu annonces venez voir, que tu annonces venez voir, venez voir. Il y a quelqu'un qui a changé ma vie. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Il y a quelqu'un qui a changé ma vie. Et celui-là, c'est Jésus-Christ qui transforme toutes choses. Que ce soir, tout ce qu'on a mis dans ta vie, tout ce qu'on a dit, bien, ma famille, les traditions, mina sema, mujina la Yesu, mine bilani, mujina la Yesu, leo Jésus-Christ, Jésus-Christ domine ta vie. Que Jésus-Christ domine ta vie. Cette femme a abandonné la cruche qu'elle avait. Elle a abandonné. Elle a laissé. Il n'y a rien ici. Il y a quelqu'un qui m'a parlé. Que j'aurai une vie. Que j'aurai de l'eau. Il y a quelqu'un qui m'a parlé. Na pena mungu. Akukeuze. Ukaseme yakama. Kuna mutu anasema. Kuna mutu anasema. Na ula nasema ni Kristo. Ula nasema ni Kristo. Ula nasema ni Kristo. Qu'elle connaisse. S'il y a des choses qui ont bloqué, il y a quelqu'un qui sait débloquer cela. Mina mouitara sema, yeni ni mafuta ni graisse. Mobile bina bloqué à n'gara mafuta tu binaï. Binaza tourne. Ça va tourner. Ça va tourner. Ça va tourner. Et si ça tourne, kuna kitu kimoja wewe na pasha kujua. Tu vas dire au monde entier, venez voir. Venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait dans ma vie. Venez voir. Venez voir. Na peine funga macho sasa. Funga macho. Funga macho. Funga macho. Ce que je veux dans ton cœur. Ou na makari ya kusema ke. Ile maji ya uzima isinipite. Yesu Kristo niliotafuta asinipite. Ile maji ya uzima, haleluya. Ile maji ya uzima Yesu alisema isinikose maisha yangu. Haleluya. Alléluia, alléluia, alléluia. Si cette femme est allée parler, est allée proclamer qu'il y a quelqu'un, Mangaribi Aleo, Ninini na kushinda na weye, ukaonesse taifa yako, ukaonesse jamaa yako, ukaonesse warafiki, ukaonesse batumkazi, il y a quelqu'un qui m'a parlé, il y a Jésus qui a changé ma vie, il y a Jésus qui m'a changé ma vie. Si quelqu'un, tu sais que tu as été accablé, non seulement avec les traditions des familles, mais aussi avec certains caractères, certaines habitudes, certaines pratiques. Il y a des pratiques qui n'ont pas. Il est pratique. Cette femme, elle a abandonné. L'eau qu'elle est venue chercher, tu as dit à Maji. Maji ya uzima. Il est Maji ni Yesu Kristo. Il est uzima ma ule mwanamke. Na ule ile uzima rileta. Mina konesha. Maji na letaka Yesu. Itakupatia uzima. Maji na letaka Yesu. Maji naletaka Yesu. Maji kunaleta Yesu. Iko naleta uzima ya utele. Uzima ya utele. Uzima ya utele. Uzima ya utele. Aleluya. Aleluya. Mina penda sasa. Ekuto. Yes. Aleluya. Il y a deux choses dont cette femme a fait. En découvrant que c'était le Messie, que c'était le prophète, que c'était le Christ, elle est allée annoncer. Mais elle a abandonné. Elle a abandonné. Le seau qu'elle avait, ou soit la cruche qu'elle avait. Elle a abandonné. Il y a une chose. Il faut savoir abandonner certaines pratiques. Cherchez à abandonner cela. Afin que le Seigneur lui-même prenne le contrôle sur votre vie. Prenne le contrôle sur votre vie. Et s'il prend le contrôle, sache que tu es armé parce que le Seigneur Jésus, je l'appelle le général des généraux. Alléluia. Donc, dans ta prière, tu vas d'abord dire ceci. Seigneur, j'abandonne. J'abandonne mes pratiques. J'abandonne mes pratiques qui n'étaient pas bonnes vers toi. J'abandonne mes pratiques. J'abandonne la tradition qui était en train de m'accabler. Il y a des traditions. Namuntu pakufa langu, banamone chasse ma beba mbele mayani weke. Kuma tradition ingine, ikuna uwa, inaribisha. Unasema ni protection, mina konecha ina protection. Yesu njo protection. Ile ma tradition leo. Umoneche sasa Mungu ya kama. Seigneur, j'abandonne. J'abandonne d'abord. Commence à prier.
Alléluia. 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 Prie, Omba. Omba, abandonne ces pratiques. Oh, venez voir. Alléluia. Venez voir. Venez, venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait de merveilles. Alléluia. Il a fait de merveilles pour moi. Oh, venez voir. Venez voir. Venez voir. Alléluia. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous voulons abandonner nos pratiques, Seigneur. Nous voulons abandonner nos coutumes. Afin que nous puissions vivre ta grâce. Nous puissions prendre l'eau que tu nous as donnée. Afin que cela jaillisse dans nos vies. Et que nous ayons la vie éternelle, éternelle Dieu. Alléluia. Alléluia. Venez voir. Venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait. Ce qu'il y a. Écoute. Je te. Il est ma pratique, il est. Le système qui est dans nos familles. Ces coutumes-là. Il n'est qu'à l'aka, il qu'on a baki à moudam. Il faut les renoncer. Cette femme-là, alikuwa na mambo ya ile kisima kia Yakobo. Il kwesha kuikala mudamu. Yeko nasema njofasi ya nkambo yetu alichimbula. Njofasi ya nkambo yetu alikunwa mai ya kwanza. Me Yesu alitokelea kumonesa. Ule atakunwa hii maji. Atasikia tena amu ya mai. Kama kukuma pratiki ya familia unafanyaka. Yu asema haita kuletea jibu maisha yako yote. Kesho utafanya tena pratiki ngine. Finalement utenda kubafumu. Finalement utenda kutafuta batu ba maji. Mais je te dis ce soir, abandonne ces pratiques afin que maintenant que tu ailles proclamer, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui m'a tout dit sur ma vie. Il y a quelqu'un, ce soir ce n'est pas moi qui te parlera sur ta vie, mais c'est le Seigneur Jésus qui va parler sur ta vie. C'est le Seigneur Jésus qui va parler sur ta vie. C'est pourquoi dans ta prière, Mushishike Buruma, abandonne ces pratiques en ta prière. Oh maman bien goufou. Alléluia. 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 Que ta grâce, Seigneur Dieu. Mungu wa neema na mapendo. Tunakuita wewe. Wewe ni mwamba. Mwamba uliopasuka. Ndani yako tunajificha. Magharibi ya leo. Tunaacha mapratiki yote ya kichama. Tout ce qui était tradition. Qui nous liait. On ne savait pas voir. On ne savait pas chercher l'eau de la vie. On ne savait pas chercher la vie éternelle. Père éternel, tu nous as amené la vie éternelle. Clamant que nous sommes tes enfants. Père éternel, Mangaribi Aleo, Dunacha, Dunacha Zote, 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 Bwan, Yesu, mon falme, Mungu Mokobwa, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. 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 Hallelujah. Kwa jina la Yesu Kristo. 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 Alleluia. 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 Kwa jina la Yesu. Tosha. Tosha vyote. Alleluia. Sikia. Écoute.
tu vas secouer tes mains. Tu vas secouer tes mains. Secoue tes mains. Et ne coupe pas la connexion avec Dieu. Sois dans l'intercession dans ton cœur. Que toutes ces pratiques-là tombent. Kama barikwe kaka mobila kuyua barikuna wisaka mai moya hivi au jue leo bitanguka mchina la Yesu kunkuta mikono kunkuta na nguvu haleluya barikuchanjaka bila kuyua leo ile chanjo itatoka leo chanjo ile itatoka leo chanjo itatoka Yesu atasema pa maisha yako Yesu atakonesha mambo ya maisha yako na utapata uwezo ya kwenda kutangaza kutangaza bila Yesu anafanya c'est quoi encore tes mains Sekute men. Sekute men. Utaita Yesu mara tatu. Yesu mara tatu. Yesu! Écoute, ushite bien pour l'épaule. Je le dis encore, ushite bien pour l'épaule. Il faut déraciner. Cette femme-là s'est référée au puits de Jacob. C'est une histoire qui date de très longtemps. Elle est rentrée dans l'histoire disant que apa, Jacob walikunwa pomai, mina sema. Les traditions qui sont dans ta famille là, ni mambo ya zamani ça. Comme on a dit bien teketeke, tu risques de ne pas détrôner cela. Tu risques de ne pas déraciner cela. Prends toutes choses au sérieux. Dieu est ici. Il va parler sur ta vie. Il va parler sur ta vie. Utaita Yesu maratatu. Yesu! Hein? Yesu! Yes! 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 Yesu! 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 Yes! Kunkuta mikono tena, kunkuta mikono. Sois concentré. Sois concentré. Sois concentré. Regarde tout ce qui se passe dans ta famille. Regarde tout ce qui se passe dans ton travail. Regarde tout ce qui se passe là où tu es avec tes amis. Regarde tout ce que tu fais. Parfois quand tu es avec tes amis, c'est l'esprit de prendre la bière qui te vient. C'est l'esprit de prendre la bière qui te vient. C'est l'esprit de fumer qui te vient. C'est l'esprit de l'impudicité qui entre en toi. Quand tu es avec tes amis, aujourd'hui tu vas abandonner. Aujourd'hui tu vas abandonner. Aujourd'hui tu vas abandonner. Au nom de Jésus-Christ, tu vas abandonner. Au nom de Jésus-Christ, tu vas abandonner. Au nom de Jésus-Christ, l'obitatoka, 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 bitoke, bitoke, bikwache fashi, maratatu, Yesu, yes, yes, yes. Yes! 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 Shikia, simama nikoneshi. Paka vile wamanyangu simama. Unaona? Il y a une puissance qui vient. Et quand cette puissance arrive, j'aimerais que ingie mumwili yako yote. Kushibake fasi ata moya. Pale pata résister ile uwezo ya kijama. Pasibakiye. C'est-à-dire, si tu dois appeler Jésus, ce que je fais ici, fais-le comme je le dis. Il y a une autre grâce que Dieu est en train de faire. Peut-être ni muntu moya. Ni na pena ule muntu moya kwe weye. Nema ya leo isikupite. Ule muntu moya kwe weye. Parce que Jésus-Christ était devant cette femme. Elle était seule. Elle était seule. Même si elle est allée proclamer, mais elle était seule. Que ce soit, ce soit toi. C'est pourquoi ne fais rien en négligence. Utaita Yesu. Alléluia. Utaita Yesu. Yesu, tosha. Tu t'adresses à lui. Yesu Christ, le mutosha, le mwanamuke. Ma tradition ya kwabo. Wakati alienda mugini, ashikwende kusema mkwe muone, ile shimo ya Yakobo hapana. Alikuwa kusema, kuko mtu ule analisemea pa mambo yangu. Bila utaita Yesu engie mu maisha yako aseme. C'est pourquoi usineglize kitu hata kimwe. Yesu, tosha. Yesu, tosha. Yesu, comme on a ce qui a puissance, il a confié. Prends la prière, monte en prière, monte en dimension, cherche la dimension spirituelle, cherche la dimension supérieure. Il est dimension Yamungu. Tu n'auras peur de rien. Tu sortiras vainqueur. 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 Je dis, tu sortiras vainqueur. Tu sortiras vainqueur. Alléluia. Alléluia. Coucou tes mains. Secoue tes mains. Secoue tes mains. Secoue tes mains. Secoue tes mains. Avec une ferme décision. Secoue tes mains. Dania kukona sema mungu leo. Mina tafuta ni biache. Niache leo. Mini toke mu maisha yangu. Yanguke mu maisha yangu. Secoue tes mains.
Secoue tes mains. Yesu tosha. Yesu tosha. Taka kama mimi nakukata, ushikate wewe moyo. Alléluia. Alléluia. Utaita Yesu tosha. Utaita Yesu tosha continuellement. Paka mimi nakukata, ushikate parce que kama unakata, tu laisses encore une brèche pour le diable. Tuna eu. Sikirie lote bitoke. Alléluia. Utaita Yesu tosha. Yesu! Yesu tosha. Yesu tosha. Yesu tosha. Yesu tosha. Yesu tosha. La Bible dit ceci.
Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ah, alléluia. Alléluia. J'aimerais que le Père te demande maintenant. Mungu akuweke sasa. Mufazi yake ya wale wa kumwabudu. Parce que l'heure est déjà venue. Que cette heure qui soit ici, c'est-à-dire, ne manque pas parmi les vrais adorateurs. Ne manque pas parmi les vrais adorateurs. Ceux qui doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Qui doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Ce soir, dans ta prière, on m'en laisse le monde. On est déjà sur le monde. Remplis-moi de ton esprit saint. Je ne peux pas être un adorateur qui n'a pas un esprit. Car je ne saurais pas ce que j'adore. Comme cette femme ne savait pas qui est-ce qu'il adorait. Jésus lui a dit, vous ne savez pas celui que vous adorez. Parce que vous n'êtes pas rempli du esprit. Je te dis ce soir, l'homme amène l'héros. Si tu as l'esprit, tu sauras adorer celui qui t'a appelé. Dis au Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Sache que tu as un problème. Tu viendras ici devant ta koumbea. Kama ubishikiake mumwili. Parfois l'esprit quand il arrive, il transforme la personne. Il te parle en langue. Et cette langue, c'est une langue qui vient du ciel. C'est un système de codage dont le diable ne peut pas t'entendre. Tu parles avec ton Dieu. Que l'esprit soit sur toi. Prie à ce que Dieu te remplisse du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est sur toi, tu sauras comment adorer Dieu. Et si tu ne sens pas la présence du Saint-Esprit, tu viendras ici. Je vais imposer ma main sur toi. Et Dieu pourra te remplir de cet esprit. Prions maintenant. Prions. 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 Alléluia. 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 Continue dans la prière de la plénitude du Saint-Esprit pour que tu sois un vrai adorateur. On est chez Mungu yakam. On est déjà zéro yako. On est déjà zéro mtakatif. L'Esprit Saint a des dons. Akou déjà zéro mtakatif. Parce que si tu es Dieu, partout où tu seras, tu vas adorer ton Dieu. Partout où tu seras, tu ne parleras que de celui qui t'a appelé. Tu ne parleras que de celui qui t'a invité au trône de grâce. Cherche la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Cherche la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Je vais entendre ta voix. J'aimerais entendre ta voix. J'aimerais entendre ta prière. J'aimerais entendre ta prière. Implante ton Dieu. Pourquoi tu n'as pas l'Esprit Saint? Pourquoi tu n'as pas l'Esprit de Dieu? Pourquoi tu n'as pas l'Esprit de Dieu? Demande-lui. Demande-lui. Demande-lui ton esprit. Alléluia. Alléluia. Demande-lui. 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 L'Esprit de Dieu. L'Esprit de vérité. L'Esprit puissant, l'Esprit puissant, l'Esprit puissant, l'Esprit supérieur, c'est l'Esprit de Dieu. Oh mon tagatif, 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 shuka, 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 roya koi shuke, roya koi shuke, roya koi shuke. Voya ko ishuke. Voya ko ishuke. Voya ko ishuke. Alléluia.
Alléluia. L'esprit de consolation. L'esprit de vérité. L'esprit saint. Rotakatifu. Royabwana. Romutakatifu. Kamena kusukia. Utakuwa mtu mwingine. Jésus-Christ fut transfiguré par la puissance du Saint-Esprit. Que tu sois transfiguré aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Tu veux être un vrai adorateur? Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit te dit. Qu'est-ce que l'Esprit te dit? Qu'est-ce que l'Esprit te dit? Il n'a connu son ligne. Il n'a connu. Alléluia. 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 Byakumbingu bikushukie. Kama uko na roho ya Bwana, bya mbingu ndio binakuyaka. Alléluia. Alléluia. Bya mbingu bikushukie. 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 L'esprit de vérité. L'Esprit Saint, l'Esprit Saint, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit de Consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit Saint de Dieu, l'Esprit Saint de Dieu, l'Esprit Saint de Dieu, l'Esprit Saint de Dieu, Isuke Dieu Yako. Alléluia, 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 Alléluia. Ceux qui sont connectés, ceux qui sont connectés, vous allez les voir. Quand tu es connecté avec Dieu, c'est ainsi que le Seigneur te parlera sur ta vie. Pourquoi il n'y a que les autres qui sont remplis du Saint-Esprit? Et pourquoi toi tu n'en as pas? Pourquoi tu n'en as pas? Pourquoi tu n'as pas l'Esprit Saint? Pourquoi tu n'as pas l'Esprit Saint? Pourquoi tu n'as pas les dons de l'Esprit? Alléluia. Alléluia. Parle-lui. 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 Dis-lui. Royakotu. Romutakatifu. Romutakatifu. Mushipilu tu alesa. Romutakatifu. 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 Aïe, tu bengine. Roho Mtakatifu ni yetu si batoto ya Mungu. Roho Mtakatifu yako wewe mtoto wa Mungu. Roho Mtakatifu, l'Esprit Saint, c'est pour les enfants de Dieu. L'Esprit Saint, c'est pour les enfants de Dieu. L'Esprit Saint, c'est pour les enfants de Dieu. Alléluia. 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 Écoute, j'aimerais entendre un silence total. Dans son silence, ne coupe pas la connexion avec Dieu. Cette puissance du Saint-Esprit va s'exprimer en toi. Un silence total. Dans ce silence, que le Seigneur vienne par son Esprit Saint, qu'il parle avec ton cœur, et ça pourra sortir de ta bouche. Ça pourra sortir de ta bouche. Pourquoi tu n'es pas rempli du Saint-Esprit? Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il y a à cette place? Pourquoi il n'y a que les autres qui ont l'Esprit de Dieu? Pourquoi il n'y a que d'autres qui parlent en langue? Pourquoi il n'y a que d'autres qui voient, qui ont des visions? Et toi, tu n'en as pas. Alléluia.
Hein, les choses du ciel descendent. Hein? Alléluia. Mmh. Uh-huh. C'est ça la présence de l'Esprit de Dieu. Mmh. Cherche-toi. Bien-aimé, cherche-toi. Hein? Alléluia. Uh-huh. Un Dieu qui parle. Hein? Hein? Alléluia. Alléluia. Cherche cette onction. Cherche l'onction de l'Esprit de Dieu. Dans le silence, il y a quelque chose qui entre en toi. L'Esprit de Dieu, quand il arrive, il guérit. L'Esprit de Dieu, quand il arrive, il transforme la personne. Il enlève les traditions. Maintenant, tu ne verras que des choses du ciel. Car cette femme, Jésus lui a dit que tu auras cette eau pour la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est au ciel. Tu verras les choses du ciel. Hein? Pourquoi tu ne parles pas en langue? Pourquoi tu ne vois pas des visions? Pourquoi tu n'entends pas sa parole? Pourquoi tu n'entends pas sa voix? Pourquoi? 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 Hein? Alléluia. Hein? Mmh. Qu'il te parle. Qu'il te parle. Alléluia. Qu'il te parle. Qu'il te parle. Alléluia. Qu'il te parle. Qu'il te parle. Alléluia. Qu'il te parle. Alléluia. Qu'il te parle. Le Dieu Tout-Puissant va te parler. Qu'il te parle. Qu'il te parle. Meilleur qu'Andra Kanaka. Qu'il te parle. 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 Aujourd'hui, qu'il te parle. Tu ne sortiras pas vite. Qu'il te parle. Alléluia. Qu'il te parle. Qu'il te parle. Qu'il te parle. Cherche-toi ton intérieur. Pourquoi tu ne sens pas? Pourquoi tu ne sens pas? Pourquoi tu ne sens pas sa présence? Pourquoi tu ne sens pas sa présence? Pourquoi tu ne sens pas sa présence? Hein? Encore une fois. Encore. Cherche ça. Dis-lui, Père, je suis là. Seigneur, je suis là. Je ne peux pas seulement chanter. Donne-moi un autre don. Hein? Je ne peux pas seulement chanter. Donne-moi ta puissance. Alléluia. Je ne peux pas seulement chanter. Donne-moi ton onction. Que l'onction de Dieu soit sur toi. Que l'onction de Dieu soit sur toi. Que l'onction de Dieu soit sur toi. Alléluia. Alléluia. Tu vas secouer tes mains. Secoue tes mains. Garde l'onction. Secoue tes mains. Secoue tes mains. Secoue tes mains. Hein? 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 Roya Bwana. Roya Bwana. Bakui meyo tuani. Bekona kuita chrétien mon quartier. Quelle est la différence que tu as avec les autres chrétiens ou avec d'autres païens? La différence, c'est l'Esprit de Dieu. Il a dit, j'enverrai l'Esprit sur toute personne qui m'invoquerait. Il en a envoyé encore. Pourquoi toi, tu n'en as pas? Tu es nini, weye roa wishiki yake. Mumwili wako muko paka vilo lamka busubuhi. Njo vilo ritembea munjia mote. Munsoko naenda. Bana kufanya ibi. Huku nakuya mukanisa. Que ce soit, que tu sois transfiguré par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Shirika kombele na kushirika. Maisha yako. C'est parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Shirika. Shirika. Contrôle-toi. Alléluia. Alléluia. Kunkuta na nguvu. Kunkuta na nguvu. Utatoka. Me kunkuta mbele. Kama roho ya Mungu iko juu yako. Alléluia. Qu'il te touche. Na penda tu nguvu ya Mungu ishuke juu yako. Usikue vile ulikuya. Utatoka leo na uwezo ya mbingu. Oh Yesu. Oh Kristo. Kuya ubaguse. Kuya ubaguse. Wenjo ribaita. Kuya ubaguse. Kuya ubaguse. Kuya ubaguse. Kuya ubaguse. Kuya ubaguse. Roho yako ibaguse. Roho yako ibaguse. Kama unajisikia baridi ujiulize ni nini? Ni nini? Ni nini?
Apana, mangaribi aleo. Akokose, 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 mangaribi aleo. Alléluia. Mangaribi aleo. Akokose. Hein. Akokose. 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 Que l'esprit de Dieu descende sur toi. Ne sois pas zéro. Sois rempli. 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 Rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Tiens Zaro. Tiens Zambelero. Tiens Zambelero. Tiens Zambelero. Tiens Zambelero. Tiens Zaro. Alléluia. Tiens Zaro. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Il y a des dons dans l'esprit de Dieu. Sois rempli. Alléluia. Sois rempli. Sois rempli. Dina la Yesu. 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 Dina la Yesu inafungua. Dina la Yesu inafungua. Au nom de Jésus Christ. Mirakan la kan. Mirakan la fono kondosi. Mirakan la gata ko. Nei foku la gata. Nei kala kala kala. Lelo kembo, lelo shekina.
Je vois la Shekinah, 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 je vois la Shek
que mbomeo. Kiti sa ke mbomeo. Shimama, shimama, wima, shimama, wima, shimama. Ata ogo malari, ata shimama. Le ciel est ouvert. Je dis le ciel est ouvert pour toi. Tu as droit à la part du Seigneur. Il y a une forte onction ici ce soir. Je dis qu'il y a une forte onction. Le Saint-Esprit est en train d'agir maintenant. Il est en train de guérir déjà maintenant. Maintenant, je communique l'onction de guérison. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ton miracle. Lève ta main droite. Déclare, je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Au nom de... Silence, un moment. Silence, silence. Ferme les yeux. Funga macho. Funga tout ça macho. On a beaucoup voyé à Mungu. Saint-Esprit, on a transformé Maïsha Yako. Mankamba yote kizazi miyololo iko na kachika sasa croix. Alléluia. Reçois la délivrance. Lève ta main maintenant. Maman Kamonya, venez avec. S'il y a quelqu'un qui est malade, vraiment malade, avance aussi. Moko malade. I am God.
na kola na maboko na yo na ye kola na kela si na yo mosungi moko yo bape singai eza yo molimo santu yesu motema na ngai nzoka babota ba trahison na ba zizima ya bato je me suis élevé na kuya na yo Yesu nanga bolimo bolimo ya zambe akita wanase Yesu toni molimo ya zambe bolimo bolimo ya zambe akita wanase Yesu nanga Boko linanga yi kela sinanga yo nasili sinanu koye kolateo zala nanga nanu masolo nanga yi elongo la kapongi mabete lango nani ya ya nalingi yo mi Masolo nangai Boye longo la kapongi Mabete lango nani Lebe langana Mumolimo 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 Nazambe Akita wanase Lisu Toma molimo 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 ya nzambe Akita wanase Lisungi na makayo Alléluia.